Bien, bonjour à tous, bienvenue sur max25.be. Nous avons la chance aujourd'hui de nous trouver sur le secteur de Francorchamps pour une activité économique très importante, c'est la gestion d'énergie. Et pour cela, nous avons une entreprise spécialisée dans le domaine, c'est la société Dovister. Monsieur Dovister, bonjour, bienvenue. Je suis très content de vous voir ici dans votre entreprise, ici basée à Francorchamps. La société Dovister, ça date de quand et quelle est votre fonction, quel est votre rôle? Donc la société Dovister ici a été créée en 2005, donc j'ai créé la société en 2005. Donc je suis moi à la base ouvrier dans le domaine du chauffage et après avoir travaillé 8 ans comme ouvrier, j'ai décidé de passer le pas et de me mettre à mon compte. Donc voilà, donc on a créé la société en 2005 dans tout ce qui est domaine énergie renouvelable, que ce soit le domaine du chauffage, du sanitaire ou de tout ce qui est solaire thermique et énergie renouvelable dans son ensemble. Alors la question, c'était le produit phare d'Ovister. Il y en a bien d'autres maintenant, puisque l'évolution de votre entreprise vous a permis d'attaquer, entre guillemets, certains marchés au niveau de l'énergie. Quels sont-ils? Voilà. Donc le métier de base de Dovister est bien le domaine du chauffage, donc tout ce qui est biomasse, tout ce qui est pompe à chaleur, tout ce qui est ventilation. Mais avec ça est venu se greffer un gros produit qui est devenu un des produits phares de Dovister, qui est la partie tout ce qui est panneaux photovoltaïques. Alors on sait qu'il y a évidemment, c'est inévitable, une concurrence, évidemment, au niveau des services. Au niveau des produits, qu'est-ce qui pourrait vous différencier justement à partir d'une autre entreprise dans la concurrence? Sujet d'actualité d'ailleurs. Voilà, donc il y a une très très grosse concurrence par rapport aux différents installateurs et aux différents panneaux. Nous autres, ce qu'on permet au niveau des, par rapport, comment on se différencie par rapport aux autres, c'est qu'on a un service après-vente et on vit sur un long terme et une qualité de travail en interne et pas avec de la sous-traitance. Alors, vu le développement de votre entreprise, on fonctionne par projet et ce n'est pas possible. Quels sont vos projets 2013, 2014? Comment voyez-vous des choses? Le projet 2013-2014, on est en train de réouvrir un grand axe chez nous autres à la société, qui est tout ce qui est le domaine du pellets. Donc on était de la société de Bister est déjà très présent dans le domaine du pellets, mais au niveau chaudière. Par contre, nous sommes sur la création d'un nouveau showroom et de nouvelles vitrines au niveau des foyers à pellets. Alors l'énergie verte, on en parlait il y a 20 ans, c'est un rêve, maintenant c'est une réalité, c'est tout à fait incontournable, mais comment voyez-vous votre marché dans 10 ans? Le marché dans 10 ans est énorme au niveau des renouvelables, puisqu'on parle des 3 fois 20, et nous sommes très loin de ces résultats là-bas. Donc le marché des renouvelables d'ici une dizaine d'années est de toute façon énorme. Alors justement, cette communication au niveau des entreprises et PME à travers le site max25.be, est-ce que vous aviez une astuce ou un conseil au niveau de la gestion d'énergie justement de ces entreprises? Voilà, tout à fait. Donc, au niveau de la gestion des énergies, au départ, c'est de regarder la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc, il faut faire un audit, si possible, du bâtiment et des énergies, que ce soit au niveau de l'électricité, au niveau du chauffage, au niveau de différentes choses. Donc, c'est d'abord faire un audit du bâtiment et de la société pour pouvoir détecter les problèmes de consommation. Et ma dernière question, Dovister, c'est une entreprise de niveau national? Dovister est une entreprise au niveau national, au niveau photovoltaïque, pardon, et régional par rapport à tout le domaine du chauffage. Monsieur, un grand merci. Alors là, on est vraiment dans le produit type, un de vos produits et voire un de vos brevets, c'est le Stalgoo. C'est un système qui permet de mettre un photovoltaïque sur une plateforme. Et je pense qu'au niveau rendement, il y a une certaine inclinaison. Alors expliquez-nous un petit peu votre nouveau concept. Voilà. Donc en fait, ceci est ce qui est utilisé 90% dans tout ce qui est toiture plate au niveau industriel. Donc en fait, ce système de fixation ici nous permet d'avoir un système de lestage qui ne dépasse pas panneau compris 14 kg du mètre carré. Donc ça veut dire que ça s'adapte pratiquement à 95% de toutes les toitures qui existent sur le marché. Alors la question qu'on ne pose pas, mais je vais quand même poser, est-ce qu'il y a des trous de fixation à faire sur la plateforme pour placer ce système? Non, il n'y a pas de trou de fixation, c'est uniquement un système qui est déposé sur la toiture. Donc en fait, la canalisation de l'air passe entre le panneau et la surface. C'est voilà, tout à fait. Ce qui permet un collement au niveau de la plateforme. Donc au niveau du recouvrement, on est dans ce qu'on est le non-limite. On peut placer tout à sur fait. des très grandes surfaces. Voilà. Impeccable, merci.